Eh bien, bonjour tout le monde, les gens. Voilà, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Je reviens où je suis venu il y a un an, car j'ai eu des bons résultats, mais mon matériel laissait réellement désirer. Là, maintenant, j'espère que ça va aller mieux. Alors, je me présente, je m'appelle Henri, je suis venu faire une vidéo sur l'après-vie. Alors j'espère que vous allez bien d'une part et que vous répondrez, j'espère, à mes questions. C'est étonnant ça. Ah bah c'est bloqué cela. Plus ça va, plus ils sont prêts. Hein. Oula. Tout à l'heure. Incroyable. Ici, c'était il y a juste avant la tempête, il y a deux semaines. C'était rempli jusqu'à la moitié, je ne pouvais pas rentrer. Et aujourd'hui, après la tempête, hop, le blocos s'est redressé, incroyable. Et c'est vidé. Là par contre, je suis obligé de mettre un peu de lumière pour savoir où je mets les pieds. Et ça, c'est toujours inaccessible. C'est dommage parce que... Il y a bien sûr qui ont tagué sur tout ce qui avait été fait. Là, toujours qu'il y en ait un qui saccage. Ici, c'est tout le premier étage du blocos. Malheureusement, je ne peux pas y accéder. Alors bonjour, moi je vous ai dit, je m'appelle Henri, je suis venu faire une vidéo. Et j'aimerais avoir un contact avec vous. Sympathique, de préférence. Incroyable comme le terrain peut bouger et travailler. Oh pardon, excusez-moi. Je vais manger un peu avant de venir. Oh là là. C'est incroyable comme ça s'est... Comme ça a bougé, ça s'est relevé. C'est vrai que ça casse le dos, hein. C'est dangereux. Tout ce coin-là, c'est bizarrement. Bizarrement, il a tourné ce blocos. Hein. Il n'était pas dans ce sens-là. C'est incroyable. Ça. Alors, bonjour. Ou bonsoir. Ça dépend pour vous si c'est la nuit ou le jour. J'aimerais que vous répondiez à mes questions si vous êtes encore là. Je suis passé il y a un an et quelques jours, mais c'était la tempête. J'ai rien pu faire. Et puis mon matériel faisait ce qu'il voulait, sauf ce que je voulais moi. Alors j'apprécierais que vous communiquiez avec moi et que vous laissiez des réponses déjà pour l'instant dans la petite caméra avec laquelle je fais la vidéo.
tout à l'heure je sortirai ma SB7, on appelle ça la ghost box. C'est une radio qui balaye des fréquences très très rapidement, qui crée des blancs et avec laquelle vous pouvez communiquer avec moi. Ah, la caméra est mal réglée encore, décidément. Moi et mon matériel, hein. C'est une histoire d'amour. Hein. Parce que quand même mon projecteur fonctionne bien. J'ai investi dans une batterie de 12 volts, ion, ils appellent ça. Et un nouveau système est incroyable, mais fonctionne très bien. Hein. Et tient bien la charge. Ça fait du bien quand même. Mais alors, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi encore ici, s'il vous plaît? Je ne suis pas venu pour vous faire de mal, ni pour vous casser les pieds. C'est dans tant que faire ce soit, bien sûr. Et là, bon, ça ne se voit pas, mais c'est la marée haute. C'est les grandes marées, comme on dit chez nous. Si je nifle et si je tousse un peu, mais c'est étonnant ça. Ce qui lui est arrivé. Ah, mais il a carrément basculé. Il a carrément basculé celui-là. Je mets un peu de lumière parce que là, franchement. De ta vie un rêve et d'un rêve le reste est sous le sable. Bon, peut-être pour une prochaine fois. Attention parce que il y a souvent des galopins qui viennent s'amuser, faire le bazar, fumer comme on dit. Des trous et boire. Alors, enfin attention. Bon, comme là ce soir pas trop froid, je vais voir pour mettre ma SB7 en route. J'espère que vous me pardonnerez, mais c'est la première fois que je m'en sers. Et comme on dit toujours, il faut un début, hop. On va déjà la mettre en route. Là, voilà, je vois par là. Ah, ça va pas. Alors là, si on sait où il y a ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec moi? Si oui, merci de répondre à cette petite radio qui crée un blanc, comme je vous ai expliqué, et avec laquelle vous pouvez communiquer avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît, encore ici? J'espère que la mer ne fait pas trop de bruit dans le micro et le vent qui commence à se lever. C'est quand même impressionnant. On va annoncer de la pluie pour cette nuit qui demain. Donc je ne peux pas trop traîner quand même. C'est dommage. Quelqu'un encore ici qui sera avec moi, qui voudrait communiquer, ou alors qui serait autorisé à communiquer.
vous le voyez là, eh bien, il n'est pas dans le bon sens ce blocos. Le haut est en bas, le bas est en haut. Cherchez l'erreur. Regardez, ils sont côte à côte alors qu'ils étaient espacés. Ils se sont tous rapprochés. Tiens, celui-là est découvert maintenant. Je ne sais pas s'il y a deux semaines, il était plein de sable. Il était recouvert. Je marchais dessus tranquille. La tempête a fait du... des dégâts quand même. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, s'il vous plaît? Je fais une vidéo. N'ayez pas peur. Je vous fais pas de mal. Hein. S'il y a quelqu'un, merci de vous faire connaître. Je vais pas rentrer. Oh, ça glisse. Parce que j'ai quand même essayé, on ne sait jamais. Là, il faut se méfier. Il n'y a pas de squatteur. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais là-haut, celui-là est plus à la piste creuse en dessous. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir, s'il vous plaît? Oui, c'est pas tout seul. Je sais qu'il y a encore quelques personnes. J'ai des ressentis, je sens que vous êtes là. Vous savez que la guerre est finie depuis très longtemps maintenant. Hein. Ça fait bientôt... Ça fait plus de 70 ans d'ailleurs. C'est pas bientôt. La guerre est finie. Regardez partir, c'est pas des traces. Il y a quelqu'un qui serait là. Ouh là là. J'ai une escalade comme ça. J'ai une prothèse à la hanche. Pas trop envie de faire la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore ce soir avec moi? Qui serait resté ici? Qui voudrait communiquer? Ici, je reste pas trop statique. Je n'ai jamais à l'abri d'un petit problème. Comme vous pouvez le voir, c'est un gros morceau qui est là. Oh là là! Petite caméra, hein, style GoPro, je fais ce que je peux avec. Hein. J'avais un caméscope, mais il est mort. J'ai pas les moyens d'en acheter un. Hein. J'ai pas les moyens d'acheter un véhicule, genre une caméra. Plus ça va, plus se découvre ce blocos sous blinker. Oh, je me casse le dos là. C'est qu'il est haut celui-là. Ça a l'air calme ce soir. Hein.
Ah, c'est ça aussi le paranormal, c'est pas toujours des réponses, des orbes, des communications, des poltergeists comme on appelle ça, ou je l'appelle plutôt ça, des entités qui veulent se faire remarquer, peut-être qu'ils peuvent pas parler, alors ils se manifestent en faisant bouger des affaires. Là-bas, je vais aller y jeter un œil, voir peut-être que là il y a quelque chose. Désolé pour le bruit de la S-07. Il y a des passages ici. Il y a quelqu'un? Quelqu'un, s'il vous plaît. Là, je fais une vidéo sur le paranormal. Il y a quelqu'un ici ce soir avec moi. Ce serait sympa de me répondre. Soit dans la caméra, soit dans le petit appareil que je tiens à la main. Faire des gribouillis jusqu'ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir avec moi? Parler de gens, hein, et sans manger. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Comment ça se passe? Allez. Vous pouvez répondre, hein? Je n'en voudrais pas. Eh ben, je vais couper la radio pour l'instant. Je remettrai en route tout à l'heure. Si vous m'avez laissé des mots, c'est sympa. Je les entendrai quand je l'écoute. J'écouterai les bandes. Parce que là, c'est que je puisse pas monter là. Ça sera un de mes regrets ici.
Allez, 6, c'est parti. Bon, ben je coupe et puis je vous dis à tout à l'heure. Merci. Bon, ben, là, il n'y a rien. Hein. Ça ne donne rien. On va voir un petit peu la température. Oh là là, j'ai un rasoir dans les poches. Qu'est-ce que ça donne? Je ne sais pas si on voit. C'est pas chaud quand même. Hein. C'est pas qu'il fait froid, mais il fait franchement pas chaud. 2,5 degrés, d'accord. Ce que je vais faire quelques photos et je reviens tout à l'heure. Et bien me revoilà, après quelques photos qui à mon avis ne donnent rien. En plus c'est un vieil appareil, bon je l'angoisse, ils ne seront pas très nets, mais je les mettrai quand même en ligne. Ça vous pourrait vous faire une idée de ce que je vois, de ce qu'il y a. Ça fait une drôle d'impression quand même ici. Hein. J'ai l'impression que je ne suis pas tout seul. Hein. Je vais remettre un peu de spirit box. On ne sait jamais. On va peut-être communiquer maintenant. Lui, c'est la marée haute en général. Quand il y a de l'eau, il y a une meilleure communication. D'après ce que certains disent. Hein. Maintenant. Pas tout prendre au pied de lettres. Alors, je rallume. Là. Ici. Et bien, me revoilà. Comme je vous l'ai dit, je suis en rue du paranormal 62. Pas celui de la chanson de Monsieur Balavoine. Je me présente, je m'appelle Henri. Je ne chante pas parce que j'ai eu une tempête, je ne voudrais pas qu'il y ait une deuxième. Hein. Voilà, ça c'est moi avec mon épaulière. Je voulais parler avec cette épaulière. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir avec moi? Quelqu'un qui serait resté? Parce que je sais qu'il y a quelqu'un là. Je vous ressens. Je ne vous vois pas, mais je vous ressens. Ça, c'est un passage là. Là, ici. On peut entrer et sortir aussi de ce côté-là. J'étais de l'autre côté là-bas, mais avec le matériel que j'ai pas envie de le perdre, de l'abîmer et de me le faire raboter. Alors donc, je n'y passe pas. À la limite, si j'étais avec quelqu'un, je n'y passe pas. Là,
Je peux pas y aller, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Ça vaut le coup, paraît-il. D'après certains de mes neveux, ils sont pires des singes. Ils passent partout. Là, c'est beau d'être jeune. Mais bon, je ne plains pas. J'ai quand même une belle vie. Enfin, j'ai eu une belle vie. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ici avec moi, s'il vous plaît? Ça serait sympa de communiquer avec moi. Voilà. Là, vous voyez, j'ai pas été loin. C'est la mer qui arrive. Hop là. Là, je recule parce que c'est qu'elle monte, hein. Marée haute, elle monte. Il faut que je fasse attention parce que par là, j'ai un passage, je me dis ragué, et si je me le rate, je ne vais pas aimer. Bon bah je crois que je vais éteindre la radio parce que ce soir c'est très très calme. C'est ça le paranormal. Pas toujours des bonnes réponses, ou des réponses tout simplement. Naturiste à 500 mètres. Oui, ben, un autre jour. Hein. C'est dommage que je puisse pas aller ici. Dommage. Bon, personne ne veut communiquer avec moi alors. Bon, ça peut aussi que. Il y a déjà eu d'autres enquêteurs, parce que si qu'il y en a partout où ils passent, ils ouvrent un passage pour qu'ils puissent partir. Ce que je ne critique pas, bien au contraire. Mais pour avoir des réponses à des questions, c'est pas l'idéal. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un ici ce soir avec moi, s'il vous plaît? Ce serait sympa de me répondre. M'apporter quelques réponses à des questions que je me pose. C'est pas chaud, hein. Bon, ben, je vais couper la radio. Puisque vous voulez pas communiquer, tant pis. Ou je vais essayer en AM peut-être. Non, ça c'est coupé. C'est... Oh là là là, j'allume. Oh, bien. C'est là. Ich einmal das Bild auf genommen bis zu...
Oula. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir, s'il vous plaît? Merci de me répondre. Bon, ben, si vous ne me répondez pas, je vais partir. Et tant pis, hein. Si jamais vous entendez des mots, merci de me les dire dans les commentaires. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas très très performant avec une caméra. Hein. Mais bon. En plus, c'est toute petite caméra, je ne peux pas zoomer, je ne peux pas faire ce que je veux avec. C'est un peu embêtant. Mais bon, c'est comme ça. Vous voulez pas répondre? Vous voulez pas communiquer avec moi? C'est dommage. Et cette petite radio sert à communiquer, à faire des phrases, des mots. Mais en aucun cas pour vous faire du mal. Hein. Et je suis pas là pour vous faire du mal non plus. Au contraire. Je vous respecte, tant que vous me respectez. Bon ben voilà. Paranormal, j'ai beaucoup d'expérience, du vécu, mais avec des appareils au secours. C'est pas mon truc. Et je pense que je viendrai avec quelqu'un. Enfin, peut-être plus ici ou peut-être je reviendrai, je ne sais pas encore. Bon ben je vais couper. Si vous avez laissé des messages ou des mots dans mon appareil que je tiens à la main gauche ou la petite caméra ici, je vous en remercie. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous demanderai de rester ici, de ne pas me suivre. C'est ici votre endroit, c'est ici votre coin. Si vous avez des messages à faire passer, c'est le moment. Si vous voulez des prières, demandez. Il n'y a pas de souci, je les ferai. Et pour ça, il vous faut communiquer avec moi, pour que je puisse savoir ce qu'il en est. Sinon, je fais comment? Je ne suis pas devin, ni Nostradamus. Pourquoi j'ai Nostradamus? Je ne sais pas, ça m'est venu comme ça. Bon, vous ne voulez pas parler? Vous ne voulez pas communiquer? Peut-être que tout simplement, il n'y a personne. Hein. Bon, ben, je vais couper. Encore merci. Au revoir. Bon voilà, là. Hop, je range ça maintenant. Ouh là 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 là. Je vais remettre les gants parce que c'est comme un osa caille. Oh, ça caille. Oui, je sais, c'est vieux. Bon ben voilà, c'est pas grand chose, comme vous avez pu le constater. Ce soir, il y a. À mon sens, il n'y a pas de résultat. Mais bon, il n'y a pas toujours de résultat non plus. Il y a des couples d'enquêteurs paranormaux que je suis sur YouTube. Il faudra que je leur demande l'autorisation de pouvoir parler d'eux, s'ils veulent bien. Parce que je prends un peu exemple sur eux pour beaucoup de choses. Voilà, c'est Madame qui rousse, elle se reconnaîtra avec son compagnon. Allez, ah puis il y a aussi un couple, un monsieur
un charisme avec son ami qui est très timide. Bon, ils sont comme moi, ils ont un certain âge, mais je les trouve super. Alors j'en dis un petit bonjour, et pendant que j'y suis, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année 2018. Je vous souhaite plein de beaucoup de choses, beaucoup de bonheur, de trouver, pour ceux qui la cherchent, l'âme sœur, et qui sait, peut-être des rencontres inattendues. Allez, je vous dis à une prochaine. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce que vous pensez de ce que j'ai fait ce soir. Si ça vous plaît ou non. Et si vous avez des idées que je puisse améliorer, je vous écouterai avec plaisir. Allez, au revoir et à bientôt.